Dans sa vie. Oui, qu'est-ce que tu as gâché dans la vie de ce monsieur? C'est à toi que je m'adresse. Oui. Tu as gâté quoi dans sa vie? Qu'est-ce que tu as gâché? Hein? Tu vas parler. Je peux pas. Tu peux pas? Tu peux pas faire quoi? Je peux pas. Tu vas parler. C'est un homme. Tu as une note. Il peut pas, même si l'ingénieur ne peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas faire quoi? Il peut pas. Il peut pas faire quoi? Il peut pas. Il peut pas faire. Il peut pas faire quoi? Il va travailler pour les autres. Il peut pas. Il va travailler pour les autres. Il peut pas. Il peut pas travailler pour lui-même. Il peut pas travailler à son propre compte. Quel est ton nom? Je connais ton nom. Tu peux pas connaître ton nom. Non, mais je demande justement, parce que tu connais pas ton nom que je demande. Quel est ton nom? Qu'est-ce que tu as déjà gâché encore? Tu as réussi son travail. Tu as gâché quoi? Tu as gâché quoi encore? Parle au nom de Jésus. Parle maintenant au nom de Jésus. C'est un ordre.
Parce que cette vie appartient à Jésus. Vous ne devez plus être maître de cette vie. Elle appartient désormais à Jésus. Sa vie appartient à Jésus. Je t'arrache cette vie. Et je te commande au nom de Jésus-Christ de parler et de libérer ce corps. Ton intelligence. Il pense qu'il est intelligent. Il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas quoi? Parle. 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 Tu m'entends? Voilà, libère-le. Vous voyez, il est comme ça, mais il y a quelqu'un, un esprit dans sa vie qui le contrôle. Je vous expliquais le phénomène tout à l'heure au travers d'un contact avec ta main, on peut te donner à la sorcellerie. Il va à l'église, bien sûr tu vas à l'église, on peut mettre une main sous jeûne. Mais tant que l'esprit n'est pas dégagé de ta vie, tu as toujours ce problème. Parce que tu vis avec le démon. Voilà, il contrôle ta vie, il est maître de ta vie. Et tu touches à des choses, ça se gâche. Parce que tu as un démon en toi. Et c'est pour ça que la délivrance, ça s'impose à nous. Si tu vois que ta vie, c'est pas une question de je vais à l'église il y a longtemps, non. Est-ce que sa vie marche? Est-ce que ça bouge? C'est ça, parce que l'apôtre Paul dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Et quand il y a un démon dans ta vie est bloquée. Ce n'est pas une question de religion, ni d'église. Est-ce que tu es vraiment Jésus? Oui, si tu l'as, c'est une bénédiction. Il doit être béni sur cette terre. Tant qu'il y aura des démons, ils t'empêcheront de rentrer dans la bénédiction. C'est ça. On a commencé la vie, le journal est tombé. Il y avait un démon dans sa vie. On va trouver le même sujet. Mais tant que le démon n'est pas chassé, il sera difficile pour lui d'avancer. C'est pour ça qu'il faut vraiment un ministère de délivrance. Ça s'impose à nous la délivrance. Lâche-le. Lâche-le. Tu vas partir maintenant. Tu vas partir. Tu as compris? Comment tu es entré dans sa vie? 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 Comment? Comment tu es entré dans sa vie? Tu dis rien. Mais, donc sors, sors alors. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Maintenant même, c'est un ordre. Tu m'attends? Pousse ton pli, le défaite bien sûr, et va dans la mer au nom de Jésus. Pousse ton cri de défaite et va dans la mer au nom de Jésus. Tu m'entends? Pousse ton cri de défaite et va dans la mer dans le nom de Jésus. Voilà. Le feu sur toi. Pousse ton cri de défaite et va dans la mer. Pousse ton cri de défaite et va dans la mer au nom de Jésus. Si son âme appartient à Jésus, cette vie appartient à Jésus. Oui. Oui, si. Va-t'en. 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 Allez, tu vas le libérer. Tu vas le libérer, c'est un ordre. Tu vas le libérer. C'était un ancien gars qu'on a délivré qui délivre. C'est intéressant, ça fait du bien. Attends le Seigneur. C'est intéressant. On peut dire quelqu'un de très utile qui était sorcier avant. Il était sorcier avant. On a même chassé ses démons. Tu peux monter. Aujourd'hui, il est dans le service de Dieu, il est en train d'apprendre comment chasser les démons. On attend le Seigneur. Amen. Les gens que les parents ont voulu tuer. Parce que c'est vrai qu'il l'a tué dans la sorcellerie, mais on l'a récupéré aujourd'hui, on l'a délivré. Il est venu utile au ministère, il est en train de chasser les démons. Amen. Vous voyez, il est venu chasser les démons en baoulé. Fité, fité, fité. Sors au nom de Jésus. Sors. Lâche-le. Lâche sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-le. Maintenant. Tu vas libérer sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Vous êtes là, vous. Il y a des démons en vous. Qui contrôlent vos vies. Ce sont des esprits. Vous pensez que c'est normal ce qui vous arrive? Non. Non, 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 non. Dieu, le souhait de Dieu, c'est de vous voir prospérer. Vous voir prospérer. Et il y a quelque chose dans vous qu'on appelle la frustration. Vous êtes toujours frustré.
Malgré vos jeûnes et prières, malgré vos trucs, c'est parce que tu n'as pas été délivré. Jeûne vient briser l'obstacle, mais jeûne et délivrance, c'est des gens qui doivent vous délivrer. Jésus dit, déliez-le. Donc, il faut trouver quelqu'un pour te délivrer. Pour te chasser le démon. Toi-même, tu ne peux pas aller chasser ton démon. Ce n'est pas possible. Non. Et les autres disent, ah, vous courez derrière un miracle. Mais s'il n'y a pas de miracle, moi, je ne suis pas Jésus. Ça, c'est clair. L'auteur des miracles, c'est Dieu. La conversion est un miracle. Ça va? L'esprit est là, l'esprit est là. Lâche-le. Pas! Quitte! Sors. Ouais, va me têter. Voilà. Moi, j'ai peur. Même état, je vais têter. Feu, allez. Feu. Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement en matière de délivrance. L'esprit va nous distraire. Pendant que je parlais, va nous distraire, échapper. Il faut avoir le discernement. Je sens qu'il n'est pas délivré. Dont je parle. Il faut qu'il parte. Parce que si tu as dérangé un démon, que tu ne l'as pas délogé, tu as créé tous les problèmes à ce monsieur toute la semaine. Toute la semaine. Il faut que l'esprit parte. L'esprit donne-le qu'il est parti. Voilà. Lâche-le. Va-t'en. Oui, c'est ça. C'est ça le ministère des chrétiens. Nous devons délivrer les gens. Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais pour libérer les captifs. C'est vrai que les gens prêchent. Ils ont des grands messages. Ils enseignent très bien dans nos églises. Mais on ne sent plus la délivrance dans les églises. Les gens disent, prêche! Ils viennent même faire des offrandes, prêche! On compte pas, prêche! Mais là où on chasse un démon, un franc-maçon peut aller s'asseoir là-bas. Là où on chasse un démon, un rosé-christien possible peut aller s'asseoir. Là où on chasse, on attaque les esprits, un sorcier peut aller s'asseoir. Vas-y, c'est qu'on les chasse là-bas. Mais là-bas, on les caresse, on ne parle pas de qu'on on enseigne seulement. C'est vrai, oh, il prêche très bien, c'est bon. C'est vrai. Mais après l'enseignement, il sort, le démon est là, il ira toujours pratiquer le péché. Il faut le délivrer pour l'enseigner. Donc, si on ne fait pas que prêcher, sûrement Jésus ne faisait pas que prêcher, mais Jésus délivrait. Et c'est ça dans nos églises aujourd'hui, on ne fait que prêcher. On prêche, c'est vrai, c'est très simple de prêcher. Mais le monsieur possédé, tu enseignes un message, donne un message, un enseignement à quelqu'un qui est possédé, qui a des esprits. Il va bien écouter, mais dès qu'il sort de l'église, il a des problèmes. Amen. C'est ça que nous avons aujourd'hui, les églises ont problème. Parce que le ministère de délivrance est arrêté. On ne délivre pas les gens. Lâchez-le. Lâchez sa vie. Tu as dit Jésus est bon, il faut faire des dîmes, les offrandes. Il fera les dîmes, les offrandes. Mais ce serait difficile parce que l'esprit n'est pas parti de sa vie. L'esprit dit qu'il ne veut pas. Que c'est sa propriété. L'esprit dit qu'il ne veut pas. Vous comprenez? Mais il faut les chasser. Lâche-le. Lâchez sa vie. Lâchez-le. Allez-y. Quittez sa vie maintenant. C'est un ordre. Le feu sur vous. Vous allez libérer son âme, son esprit et tout son être dans la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Dans la puissance qui est dans le sang de Jésus. Dans la puissance qui est dans le sang de Jésus. Affronter les esprits, il faut être oint. Parce que les esprits. Vous avez il a dit, c'est parce que tu es... Sinon, c'est quand tu chasses un démon, ou du moins quand quelqu'un vient faire la délivrance, l'esprit l'attaque directement, attaque celui qui le délivre. C'est pour ça que vous devez beaucoup prier pour notre ministère. Vous devez plus nous soutenir en prière. Amen. Et quand vous priez pour des gens possédés, les esprits vous attaquent. C'est pour ça que quand nous faisons la délivrance, il faut forcément, celui qui fait la délivrance doit avoir un don de discernement de l'esprit. Et un homme de prière consacré. Sinon, les esprits ne vont pas lui faire cadeau. Lâche-le. Va. Va-t'en. Tu m'attends? C'est compté. Allez, va-t'en. Au nom de Jésus. Va. Va-t'en. Je t'envoie dans la mer. Mets ma main. Va-t'en. Et laisse sa carrière professionnelle. Laisse sa réussite. Laisse sa vie. Laisse sa vie.
laisse sa vie. Va-t'en. Va. 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 Va-t'en. 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 Va. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Va. Va-t'en. Va-t'en. Va. Va-t'en. Au nom de Jésus. Pas. Allez, lâche-le. Va. Et libère-le au nom de Jésus. Libère-le maintenant. Lâche sa vie dans le nom de Jésus. Libère-le. Libère-le. Allez. Lâche sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie. Ouais, non, l'esprit. Pourtant, l'esprit est là. Voilà. Ah, d'autres vont dire, ah, bravo, le Seigneur l'a délivré. Là, il n'est pas délivré. Non, il n'était pas délivré. La preuve. Il va partir. Laisse sa vie. Et va. Plus bagage et va. Pas avec l'instabilité. Pas avec la pauvreté, la misère, le célibat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, ton âme est libérée maintenant. Jésus délivre ton âme. Maintenant. Jésus délivre ton âme maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Vous voyez, je suis en train de le voir comme dans une tombe. C'est-à-dire d'ici 6 mois, il est tellement mort aussi. Voilà. Donc Dieu est en train de le ressusciter. En train de libérer son âme. Je détruis le pouvoir de la mort sur ta vie dans le nom de Jésus. Et tu libères son âme, son esprit et tout son être. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Parce que nous avons vaincu Satan à cause du sang de Jésus-Christ. Tu libères sa vie maintenant. Tu libères sa vie et son âme. Maintenant même. Tu m'entends? Va-t'en. Va-t'en. Va. Va. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Ouais, sors. Quitte sa vie. Quitte. Quitte. Quitte tout ce qui a été programmé, la mort. Est annulé dans le nom de Jésus. J'annule. Et quand vous chassez l'esprit de mort, il faut annuler la programmation faite. Parce que l'esprit vient se posséder sa vie. C'est un démon. Mais la programmation est calée. C'est sur rendez-vous. Il doit mourir dans tel mois. Donc c'est calé, l'heure est là. Tu as chassé l'esprit qui est venu dans sa vie. C'est un démon qui vient. Qui l'entraîne vers la mort. Des choses. Mais il faut annuler aussi le rendez-vous de la mort. Au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus la mort. J'annule au nom de Jésus. Lâchez-le. 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 Son âme est libérée. Son âme. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus. Que soit ta délivrance. Que soit ta délivrance. Au nom de Jésus. Va-t'en. Pousse ton dernier cri, va. Pousse ton tout dernier cri de défait et va-t'en. Libère totalement sa vie. Oui, libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas partir. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Allez, libère-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Quitte sa vie.
quitte totalement sa vie. Au nom de Jésus. Libère-le. Libère-le. Au nom de Jésus. Lâche son âme. Lâche son âme. Lâche son âme au nom de Jésus. Lâche-le! Feu! 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 Libère son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère son âme. Au nom de Jésus. 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 Je libère ton âme. Je libère ton âme. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Je te communique la vie. Au nom de Jésus. Je te communique la vie par la puissance qui est dans le sang de la vie. Regarde-moi. Je me salue. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sévérin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? La prière, c'est toute la vie, c'est toute l'expérimenté. C'est comme si la chose se moquait de moi. D'accord. La chose me narguait. D'accord. Quand je veux me réveiller, c'est comme si on me tenait. Oui, mais qu'est-ce que tu as vu partir? Tu as senti quoi? C'est le témoignage que je veux. J'ai été tourné. C'est cela, j'ai été tourné. Quelque chose est parti de toi. Ça n'a pas de visage. J'ai vu qu'on appelle araignée, qui était couché sur toi, l'araignée, derrière comme ça, et qui avait son truc au niveau de ta tête. De ta tête, ça te brûlait. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'aiguille était coincée dans ta tête. C'est pour ça que je suis passé autour de toi, et quand j'ai fini, c'est parti. Voilà, c'est parti. C'est un esprit terrible. Il contrôle ta vie, mais Jésus vient de te délivrer. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Yeah, 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 yeah! 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 Jésus! 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 Alléluia! Amen! Je vous sens fatigué, que Dieu vous bénisse. Amen! Dieu, on les cherche avec le cœur. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, ça c'est clair. Amen. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est sauvé. Amen. Amen. Dieu se révèle à celui qui te cherche. Si tu cherches, tu vas le trouver. Dieu délivre, Dieu bénit. Et nous avons besoin d'un ministère de délivre. C'est pas une question d'église. Est-ce que tu as été délivré? C'est ça. Tu peux dans une église être contrôlé par un démon, par un esprit. Tu ne sais pas, mais le démon te poursuit, te contrôle. Il fait de toi son esclave. Et quand c'est comme ça, tout ce que tu touches, il y a problème. Et tu finis mal. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Peut-être que tu as mal commencé, mais tu finiras bien par la grâce, puisque maintenant tu as Jésus. Amen. Vaut mieux bien finir, que de mal finir. Et c'est ça qu'on a un esprit et nous amène toujours à l'échec. Quand Dieu dans ta vie, c'est la prospérité. Amen. La première fois que j'ai rencontré un juif, j'ai tenté de causer avec les juifs, un rabbin juif, parler de la somme prophétique. La chose qui m'a choqué, il dit, la pauvreté dans la vie d'un homme, c'est quand Dieu est absent dans la vie d'un homme que la personne est pauvre. Et bien, moi, il dit, si, parce que l'or, l'argent appartient à Dieu. Et donc, quand Dieu est absent dans ta vie, c'est la pauvreté. Et quand quelqu'un est pauvre, c'est lui qui est constamment dans les besoins. C'est ça la pauvreté. On dit quand quelqu'un est riche, c'est lui qui est comblé de biens. Voilà. C'est la définition de la richesse, celui qui comble les biens. Donc quand Dieu vient dans ta vie, il te comble. Amen. Amen. Toutes sortes de bénédictions.
On ne suit pas Dieu comme ça. C'est vrai qu'il y a, le salut, mais on a besoin d'être béni, si ça te tait. Il y a des bénédictions dans lesquelles tu dois entrer. Sinon, tu sous la malédiction. Le mari est une bénédiction. Aujourd'hui, on a besoin d'argent, c'est une bénédiction. Tu as possédé, on te règle ça. C'est comme ça. C'est comme un chirurgien, tu l'amènes au bloc, il regarde sur la pénicille. Ah, c'est facile, moi j'ai une expérience, c'est ça. Moi il dit, sors, tu sors pas. Pourquoi? Non, sors, je sors, Pourquoi? Dégage. Donc, ici on règle tous les problèmes de sorcellerie, tous les problèmes des esprits. C'est pour ça que les gens ont remarqué que dans notre ministère, les fous guérissent rapidement. Ce sont les problèmes d'esprit. On a vu une folle qu'on a envoyée, état de folie très avancé. Si j'ai des blancs, elle a mis ses médicaments. Elle a été guérie miraculeusement ici. On a plusieurs cas de folie comme ça. Donc il y a des démons qui possèdent la vie des gens. Amen. Amen. Vous êtes dans un ministère de délivrance. Nous avons besoin de votre soutien. Amen. Amen. Nous avons besoin que vous priez pour nous, pour que nous soyons très efficaces sur le terrain. Parce que là où, quand quelqu'un commence à combattre la sorcellerie, sa vie est menacée. Amen. Amen. Je traverse un moment difficile dans ce temps-ci. Mais priez beaucoup pour moi. Amen. 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 Parce que quand tu déranges les démons, il va utiliser les gens qui le poussaient pour te déranger. Et j'ai besoin que vous priez pour ce ministère. Amen. 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 Pour nous, l'homme a droit à la vie. L'homme a droit à la vie. Dieu nous a donné une vie, nous devons vivre librement. Malheureusement, il y a des personnes dans le secret qui nous empêchent d'être en paix, qui nous empêchent de vivre librement. Et ces personnes-là, quand elles sont attaquées, elles utilisent d'autres personnes pour attaquer celui qui délivre les gens. Priez beaucoup pour notre ministère. Amen. Amen. Le centre, il est ouvert. Hein? Le centre, il est ouvert. Vous voyez déjà le programme, le centre est ouvert. Vous allez fréquenter ce centre, le Seigneur va vous délivrer. Ici, nous ne divisons pas des gens. On parle du problème de sorcellerie, c'est le mal de l'Afrique. C'est le mal de l'Afrique. Si tu as un problème de sorcellerie, on peut libérer celui qui est sorcier. Au lieu de le maltraiter, au lieu de le tuer, vous l'envoyez ici, nous allons le libérer comme le jeune homme là. Il était possédé d'un esprit de sorcellerie. Il a même tué des gens. Ils l'ont même chassé du village. Et chez nous, il a été délivré. Même on a même demandé à ses parents de ne pas, ils ne veulent pas le prendre. Ils ne croyaient plus en lui. On a beau expliquer zéro. Son frère m'a dit, mais lui, là, il a le tuer. Et lui, il m'a dit, ça dit, non, s'il va le tuer. Il ne vaut pas la peine même de croire sa conversion. Il dit, aïe, c'est une conversion, c'est Dieu qui l'a touché. Au moins, il a décidé d'abandonner la sorcellerie. Aujourd'hui, celui qui délivre, il est venu puter. C'est ça la main de Dieu, c'est ça l'amour. Parce que c'est ce qu'on a intrigué dans la tête des gens. Ah, on tue les sorciers, on va les tuer. On ne pense pas à libérer celui qui est possédé de la sorcellerie. On cherche à le condamner, le tuer. C'est vrai qu'on condamne l'acte, mais l'individu en question a besoin d'être délivré. Parce qu'il est possédé d'un démon. C'est pour ça que nous délivrons des gens. J'ai tout fait. C'est hier, j'ai vu le papa du jeune homme. Et ça fait pratiquement un an qu'il est avec nous. Un jeune homme qui a voulu détruire son grand sorcellerie. C'est pas chez nous, il a fait des aveux depuis le village. Son papa l'a envoyé, il a carrément abandonné entre les mains. C'est moi qui prenais soin de l'enfant. Je l'habillais chaque fois. J'en ai mangé. J'ai tout fait pour que son père vienne le récupérer, puisque c'est la rentrée. Il arrive à sécuriser l'enfant parce que l'enfant a trop sa éducation. Et hier, je l'ai vu, ils sont en train de tout faire pour qu'il puisse prendre l'enfant, aller le scolariser. Mais en même temps, je cause à son papa pour ne pas qu'il ne vive pas dans un environnement où les gens ne croient pas en lui, où les gens le voient qu'il est son corps sorcier. Non, non, non. Ils sont en train de traiter ce corps avec lui, pour qu'ils soient dans un milieu sain, pour qu'on puisse croire en lui. Parce que si tu es possédé, qu'il t'a été délivré, qu'il va dans un milieu où les gens ne croient pas en toi, tu sombres encore. Ils vont toujours t'accuser. Parce que ton environnement peut t'influencer. C'est pour ça qu'il faut marcher celui qui croit en toi. Ne marche jamais celui qui ne croit pas en toi. Tu marches avec celui qui croit en toi, il va t'aider. Tu ne marches pas avec celui, il va toujours douter de toi. Tous les actes que tu poses, je commence à calculer. Il juge, il condamne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai profité pour dire merci à quoi. Ça, j'ai dit ça chaque fois. Hein. Vous voyez, monsieur quoi, il a cessé de me soutenir. Le monsieur, vous voyez, juste sous la bâche. Quand j'ai mes petits soucis, c'est lui. Vous ne connaissez pas le Seigneur.